Pour moi, c'est la première chanson que j'ai faite pour Starmania. Donc, Starmania, c'est mon chef-d'œuvre. Et s'il n'y avait pas eu Stone, il n'y aurait peut-être pas eu Starmania. Parce qu'en fait, Michel Berger m'a téléphoné pour me demander de faire un opéra rock avec lui. Bon, je cherchais un mot d'une syllabe, parce qu'il y avait cette note longue qui revient plusieurs fois. Et puis, bon, part, vient. T'sais, va, etc. Il y a des mots de la langue française qui ont une syllabe, il y en a beaucoup. J'avais l'impression que tous les mots d'une syllabe dans de la langue française avaient déjà été utilisés. Finalement, j'ai trouvé seul, je marche seul, et je dis je l'ai, seul, je marche seul, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je m'en vais. Il se met au piano, il chante. Je marche ça. Et c'est très beau, mais c'est pas pour écrire ça que je t'ai fait venir en France. Que je t'ai fait venir d'Amérique. Je me dis, 2, 3 mois plus tard, que, à un moment donné, j'ai chanté. Je ne sais pas ce qui m'a inspiré ça, parce que j'étais tendu au bord d'une piscine, sur la côte d'Azur, et cette phrase-là m'est venue dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'au Québec, on disait « je suis stone », on disait « yes, stone », c'était devenu généralisé, ce mot-là. Je remets la feuille sur le piano, puis il chante « stone », il avait une petite voix très feulotte un peu, là. « Stone, le monde est stone ». Il me regarde et dit « voilà pourquoi je t'ai fait venir d'Amérique ». Et là, donc voilà.